Bonjour, bonjour, je m'appelle Pinocchio. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, ça y est, je suis rentrée de Rome et je vous fais une petite vidéo achat romain en vous parlant un petit peu de Rome. Vous connaissez toute Pinocchio ? Ben oui, c'est un petit peu l'emblème de l'Italie. Donc moi, je l'ai acheté pour 8 euros, je crois, en marionnette. C'est pas que les marionnettes soient hyper faciles à faire, mais bon, j'ai l'intention de faire un petit truc avec mes petits-enfants pour les faire rire. Il va falloir que je fasse des répétitions. Voilà, bah, je suis bien contente de vous retrouver, je suis bien contente de retrouver ma maison. J'ai passé un excellent séjour, c'était super. On a eu 4 jours de beau temps, mais un temps magnifique. On a marché, on a dû faire 10 km, 13, 14, 15 km par jour. C'est énorme. On a vraiment été partout à Rome. Hein. Franchement, c'était vraiment très, très bien. Donc, je vais vous faire un petit tour avec un haul, quelques petites photos. Je vous explique un petit peu ce qu'on a fait. Comme ça, si vous avez envie de voyager à Rome, eh bien, vous aurez déjà les toutes petites notions de ce que nous avons adoré. Donc, nous sommes arrivés le lundi soir à l'avion. Alors, sachant qu'à Paris, moi, j'ai eu des vols pour 45 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'était très intéressant comme voyage parce que pas cher du tout. J'avais loué un studio, on va dire, assez central, vers la gare, hein, Termini. Et je l'avais payé 45 euros la nuit. Alors sur 4 jours, bien sûr, je ne sais plus. Et 45, nous étions 3. C'était prévu pour 3 couchages. Donc, vous voyez, c'était vraiment des vacances pas chères du tout, du tout, du tout, du tout. Alors après, évidemment, nous, on a mangé au restaurant. On a goûté que des spécialités italiennes. On n'a fait que ça. Comme on marchait beaucoup, on a pu manger beaucoup de pâtes. Et c'était bien parce que ça nous a coaché un petit peu pour marcher comme ça. Et voilà, à Rome, vous avez tellement de choses à visiter qu'il faut au moins 4 jours pour faire tout. Hein. C'est grandiose. Donc la première journée, si je me souviens bien, on a pris un car à étage et on a fait effectivement le tour de Rome pour voir un peu de tout, mais sans descendre à chaque fois parce que les autres jours, on voulait le faire. Donc on a noté sur un petit papier, on s'est acheté le guide du routard et tout ça et on a bien fait notre petit programme. Donc on a fait ça, et l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé dans un petit restaurant sympa, des pâtes qui étaient délicieuses, des pâtes au pesto, moi je les ai adorées, un petit verre de vin bien sûr, au roseau, et puis un chocolat chaud avec de la panna. Là c'est vraiment leur spécialité. Cappuccino, non, c'est pas le cappuccino, c'est un pour ça qu'il aimait le café, c'est un café un peu allongé avec justement la panna dessus. Vanina, ma fille, prenait ça et ma cousine et moi, nous étions au chocolat chaud. Et ensuite, marche. Évidemment, comme on a marché dans tous ces quartiers, à un moment on est tombé devant des boutiques, bah, vous nous connaissez. Et moi j'ai acheté des petites choses, c'est-à-dire qu'on avait vu alors, tout de suite des cartes postales. Parce qu'il fallait les envoyer à nos amoureux et à notre famille. Alors moi, j'avais trouvé carrément les cartes El Papa Francesco. Donc, des cartes du Saint-Père. Hein. Mais bon, moi, je l'aime bien, ce pape-là. Donc, j'étais contente d'envoyer la même à toute ma famille. Et évidemment, j'ai tout de suite été acheter ça aussi à ma belle-mère. Eh ben oui, à 98 ans, elle aime beaucoup le pape. Donc c'est le pape, hein, plein de photos de pape avec les mois de l'année. C'est vrai qu'il est sympa ce pape, hein. Je pense qu'on a du pot parce que là, il risque de faire que les gens croient un petit peu plus, hein, ou au moins le suivent. En tout cas, c'est un homme sage, donc ça fait plaisir. Alors, là évidemment, moi je me suis dit, je vais rapporter la petite truc qu'on voit circuler en permanence dans les rues de Rome, c'est la fameuse Vespa. La Vespa. Alors moi, je l'ai pris de plusieurs couleurs, parce que effectivement, la Vespa, ça, on en croise, hein, c'est fou. Donc voilà, la première journée, c'était un petit peu ça, on est rentré de bonne heure, on s'est pris l'apéritif, et on a fait notre plan pour le reste de la semaine. Alors, je vous mets quelques petites photos de Rome, de ces endroits-là.
épouvantable. Ça faisait un bruit pas possible. Ma cousine, elle avait un lit carrément, elle avait un trou dedans. Donc c'est vrai que la terrasse, on avait une photo d'une très belle terrasse. Il n'y avait pas de terrasse, mais bon. Ça, c'est comme ça, 45 euros aussi pour trois, on ne pouvait pas demander la lune. Hein. Mais bon, bah, comme on avait eu des photos, bah, on pensait qu'on allait trouver ça. Hein. Donc, bon, voilà, on a mis le lit par terre. Et tout compte fait, on était tellement fatigués par la marche que tout le monde a très bien dormi. Donc voilà, les petites cartes postales, je vous avais mis ça. Ah oui, puis j'avais aussi acheté, ça c'est au Vatican. Donc cette journée-là, on a fait Vatican. Donc nous sommes partis par le tramway jusqu'au Vatican. Il y avait un monde fou. Alors on s'est dit, oh non, on ne visite pas le Vatican, la chapelle Sistine. On fera une autre fois, on essaiera de voir avec des horaires plus faciles. On ne le fait pas cette fois-ci. Donc on a fait, on a regardé le Vatican, on a été dans les jardins du Vatican. Ça c'est assez cher par contre pour visiter les jardins du Vatican, mais ils sont superbes. On a été faire tout le tour. Alors c'est amusant parce qu'il y avait un congrès là. Et il y avait vraiment du beau monde dans les prêtres. Ils avaient tous leurs habits du dimanche, chaussures bien cirées et tout. C'était apaisant, hein, c'est sympa. On a mangé dans un restaurant, c'est pareil, où il y avait plein de prêtres et tout ça. C'était vraiment amusant. Donc là, qu'est-ce que j'ai acheté? Des petits crayons pour mes petits-enfants avec Pinocchio. Et un autre petit Pinocchio, puisque la toute petite, elle n'écrit pas. Donc, je lui ai pris un petit Pinocchio comme ça qui bouge. Voilà, c'est tout rigolo. Donc, ça, c'était pour ma marmaille. Voilà. En rentrant du Vatican, qu'avons-nous fait? On a croisé un Zara. Eh bien, Zara, on y rentre. Donc, qu'est-ce qu'on a acheté chez Zara? Eh bien, la petite tunique que je porte. Alors, vous voyez, elle a des manches longues, donc c'est plus chaud, surtout je peux mettre un pull en dessous. Et d'ailleurs, comme elle est décolletée, j'ai aussi un petit truc en soie et laine. Et à l'arrière, elle est plus longue. Voilà, elle est courte là et plus longue à l'arrière. Mais je la trouve très jolie. Et de la secousse, je l'ai payée 39 euros. Et de la secousse, quand elles ont vu ça... Elles ont pris toutes les deux, ma fille et ma cousine, la même chose. Donc, nous étions toutes les trois en pingouin le lendemain. Et qu'est-ce que j'ai pris? Moi, j'ai pris autre chose. J'ai pris ceci. Alors, évidemment, il faut que je répare parce que je n'avais pas vu qu'il était un peu abîmé. Mais je trouve ça très, très joli. Voilà, je vous montre. C'est de la peau, un léger daim. Ça se met avec autre chose, bien sûr. Mais voilà. Moi, je trouve ça très, très joli. Très, très joli. Alors ça, j'ai payé 49 euros. Il faut que je répare parce qu'il y a de la broderie. Vous voyez, c'est pas de la broderie, mais là, j'ai besoin. Mais je n'avais pas vu en l'achetant. Hein. Moi, j'ai pris du small. Et quand elles l'ont vu, elles ont toutes voulu l'acheter aussi. Mais... il n'y avait pas du M, donc elles n'ont pas pris. Donc voilà, donc je suis toute seule à l'avoir celui-là. Donc après, on passe un tout petit peu plus loin et je vois un magasin Lush. Alors Lush, il y en a plein de blogueuses qui parlent de Lush. Et moi j'achète et j'en achète plein en me disant c'est des savons, je vais en offrir à toute la famille. Ce n'est pas du savon, c'est des barres de massage. Alors barres de massage, j'en ai pris une à mon mari qui est, alors je vais essayer de regarder, je vous regarde toujours. Voilà, je suis là, mais je vais regarder dans mes signets parce que j'ai noté. Bon, je vous dirai ça, j'arrête et je vous dis ça tout de suite. Voilà, alors celui que vous avez vu là, c'est le Vixi Magic Muscle. C'est des haricots magiques, ce sont des barres qui sont aux épices.
chauffante pour soulager le corps après le sport ou toute autre activité physique. Et il y a, je ne sais plus, les haricots su aduki aussi, qui stimulent vos muscles et calment la douleur. Il y a plein de massages et de messages qui disent que c'est vraiment magique, que c'est super. Ça chauffe un petit peu et ça réduit les tensions, les torticolis, etc. Alors, c'est quand même assez cher, hein. C'est pas les trucs qui sont donnés. Parce que moi, je pensais que c'était des savons et quand j'ai payé, j'en ai eu pour 60 euros. Je me suis dit, bah, dis donc, ils sont chers comme savon. Mais ce sont pas des savons, ce sont des barres de massage. Alors, moi, j'en ai acheté d'autres. Je vous montre ce que j'ai acheté. Alors, celle-là, je l'ai déjà utilisée parce que je les ai mouillées. Mais j'avais pas vu que c'était autre chose. Alors, ça, je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y est pas sur le site. Voilà, le chat. Donc, moi, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, c'est à base de chocolat, ça c'est sûr. Voilà. Elle s'appelle Dirty, barre de massage. Et elle est dotée du célèbre parfum mentholé et herbacé du même nom. Elle vous offrira un moment de détente inoubliable, stimulant, frissonnant et percutant. La poudre de cacao et de chocolat noir végétalien. Il y a moins de comment ça s'appelle de c'est pas testé sur les animaux hein. Il y a moins d'avis mais quand même il est à 8,95 €. Il est à 8,95 €, je dis n'importe quoi. On dit qu'il est très très bien. Donc c'est celui-là. Bon moi j'en ai acheté plusieurs hein. J'ai acheté pas mal du même truc. J'ai acheté aussi ceci. C'est un cœur qui s'appelle Soft Cœur. Alors là, il est très bien coté aussi, vraiment. Et le soft cœur, il a 88 messages qui disent qu'il est vraiment super. C'est un petit cœur fondant au cacao et au miel. Ah, oh, c'est vrai que ça sent vraiment très bon. Pour des massages collants et amoureux. Pouvons-nous vous proposer une gâterie en guise de dessert? Bah, ça, c'est imaginez la décadence du chocolat, du miel et du caramel qui fondent sur le corps de votre amoureux. N'en disons pas plus. Et il y a 88 messages qui disent aussi que ça fait énormément de bien à la peau, que c'est vraiment très, 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 très bien. Alors, j'ai celui-ci aussi, et j'avoue que je n'ai pas trouvé du tout, en France, le même produit. Donc, sincèrement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas. En tout cas, ça sent super bon. Donc, ce sont des barres de massage. Si vous avez l'occasion, toutes elles ne sont pas au même prix. Souvent, elles sont dans les 10,90 € les 100 grammes. Donc, ce n'est pas donné. Il y a vraiment. Alors, il paraît que celle-ci a tendance un peu à teinter. Comme par exemple la Black Stocking qui laisse-toi aller. Donc, teinte le corps en comment s'appelle en bronzé, quoi. Hein. Donc, il faut faire attention. Il y en a au shade, au thé vert. Donc, l'agrume et la bergamote, il paraît que c'est aussi super. Merci ma puce. Donc c'est vraiment, si vous avez un Lush, moi j'en ai pas dans le coin. Je connaissais pas, mais j'avais envie de voir. Mais c'est vraiment à savoir. Par contre, tout ce qui est maquillage, les rouges à lèvres, les rehausseurs de teint, les comment ça s'appelle pour les mains, il y avait des, elles m'ont fait un gommage, moi et de la crème pour les mains. Non, moi je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Donc non. Mais voilà. Donc ça, c'était Lush. Donc voilà, je continue à discuter. Donc on est rentré chez nous, évidemment, et hop, on est déjà le mardi, mercredi, on est déjà le jeudi. Alors le jeudi, nous sommes partis au parc Borghès, voir la Villa Médicis, les jardins de Borghès. Mais c'est immense, immense, immense. Mais vraiment immense, on a fait 17 km ce jour-là, c'était impressionnant. Et dont 13 le matin, donc on était hyper fatigués quand même. On s'est perdu dans le parc, c'est pas facile, hein. Dans le parc, vraiment, il y a plusieurs Français qui disaient c'est mal indiqué. Mais bon, voilà, donc c'est comme ça. Et puis on a été manger dans un restaurant, alors un restaurant vraiment super, vraiment super. Et en Giuliano. Et je vous ferai des photos après. Mais alors, vraiment, on a très très bien mangé, c'était délicieux. Il nous a offert un limoncello.
Et hop, ça nous a donné la pêche pour repartir. Donc, je vous mets des photos. Je me sens même un peu mal à l'aise, surtout quand je suis accompagnée. Je trouve ça très gênant. Donc voilà, on a continué un peu notre chemin. Et on a été faire que les quartiers vintage. Et ça, alors là, c'était super. Hein, quartier vintage, ma fille s'est acheté une jolie jupe avec de la moutarde, du vert, du comment ça s'appelle, du bleu, très très joli, vraiment, une jupe courte, jolie comme tout. Ma cousine a dû s'acheter une petite veste en faux cuir qui est d'une super jolie coupe. Et moi, rien, parce que j'avais rien besoin. Si, un petit slip à mon mari, et puis voilà, un petit cadeau à mon cousin, mais c'est tout. Et puis, voilà, on était bien contentes de rentrer parce qu'on était vraiment fatiguées. On s'est un peu trompé dans les transports en commun. Donc, c'est vrai qu'on a quand même marché quelquefois un petit peu trop. Donc, le soir, on était cassés, cassés, cassés. Et puis, le dernier jour, on a fait tous les vestiges, tout le gallo-romain de Rome, avec le Colisée, l'ancien Sénat, la ville de Rome à l'époque. C'est grandiose, quoi. C'est vraiment... Alors, on a monté l'équivalent de 21 étages. Monter, descendre, monter, descendre. Enfin, vraiment... on a mangé dans un petit coin aussi, mais très simple, hein, parce que le soir, nous avions décidé d'aller au restaurant, et on n'a pas fait d'achat cette journée-là, et on a été au restaurant, toutes les trois, dans un restaurant typique italien, c'est-à-dire qu'on a évité tout ce qui était restaurant, par exemple, à côté du Colisée ou autre chose, parce que c'est le double en niveau prix, et c'est pas bon. Donc c'est sale aussi quelquefois, parce qu'il y a trop de passages. Donc là, le soir, on a regardé le guide du routard, et on a été dans un restaurant vraiment qui est fréquenté que par les Italiens. Pas cher, pas cher. Mais avant ce restaurant, on est tombé sur un créateur de bijoux qui était dans la rue. Et vraiment, ma fille, je lui dis, je t'achète une bague. Tout était à 5 euros. 5 euros. Moi, je me suis acheté ces boucles d'oreilles que je trouve vraiment très jolies. Il les faisait, hein, devant nous. Hein. Et pour ma petite fille, j'ai pris cette bague. Alors, tout le monde ne va pas aimer. Ma fille a pris à peu près la même. Voilà. Et quand c'était trop grand, lui-même, il nous faisait les retouches et tout. Oh non, c'était vraiment, vraiment très bien. Et on a donc été au restaurant pour notre dernier jour. Non, non. À 4 heures, on était dans un bar. Moi, j'étais glacée. On a été dans le Rome, dans le ghetto juif, hein. Donc sous Mussolini. Hein, malheureusement, ils étaient aussi détestés par lui. Donc, il y a eu un ghetto aussi à Rome. Donc, on a été se promener dans les rues et c'est impressionnant encore. Hein, c'est dur, ces quartiers où tellement de gens ont souffert. Et puis... On est rentré dans un bar à vin. Moi, j'étais glacée, j'étais pas assez couverte. Et les filles m'ont dit, allez, t'as pas envie de quelque chose? J'ai dit, si, un chocolat chaud. Et ok, on prend un chocolat chaud et on rentre dans un bar, c'était un bar à vin. Par contre, alors, je vais vous mettre des photos. Super, le garçon. On n'avait qu'une angoisse, c'est de pas savoir, comme on maîtrise pas du tout l'italien. Vanina a un peu l'anglais, mais beaucoup d'italiens parlent pas l'anglais. Donc, on s'est dit, on va pas réussir à prendre un taxi à 4 heures du matin. Donc ça va être la galère. Et là, lui parlait français, il avait habité la France, c'était depuis 10 ans là-bas, mais il nous a dit, non, pas de souci, je vais vous retenir votre hôtel avec son téléphone. Alors, on l'a beaucoup remercié, adorable, vraiment adorable, mais magnifique. Le vin, alors, c'était un vin délicieux. Et après, donc, nous avons fini notre séjour en Italie par un super restaurant, alors, et avec des pâtes, hein, mais avec des grands cèpes, des gros cèpes, des cèpes délicieux, et puis des pâtes super bonnes, et on a terminé par un
Comment s'appelle ce truc italien là? Panna Panna cotta, puis l'autre là, cotta. tiramisu. Alors, somptueux quoi, vraiment somptueux. Donc voilà, et puis à 4 h du matin, hop, on s'est levé pour prendre notre avion sans problème, hein, super bien. Et sans retard ni rien, on est arrivé à Paris, mon cousin nous attendait à Orly pour nous amener dans la vallée de Chevreuse où ils habitent. Et là, la petite Ego, ma voiture, nous attendait, et tout qu'on a tracé avec ma fille la route jusqu'en Bretagne, sans s'arrêter, parce qu'elle fêtait les 18 ans de mon petit-fils. Donc voilà ce bon séjour avec mes achats romains. Donc je vous embrasse toutes et tous très très fort, en espérant que cette petite vidéo va vous donner envie d'aller visiter Rome, c'est super Rome. Et bah, de vous faire plaisir, pourquoi pas, avec des petits produits Lush, mais je ne suis pas sponsorisée du tout, du tout. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous. Alors, au niveau produits de beauté, bah, je vous avoue que je n'ai pas été. J'ai vu beaucoup de Kiko, j'ai vu beaucoup de. Il y a une marque italienne, je n'ai pas retenu le nom, j'ai pris des photos, donc voilà. Je vous mets les photos à suivre de tout ce qui est la beauté, les chaussures, l'élégance du cuir. Donc tout ça, allez, regardez les photos. Bisous, bisous à toutes et à tous.